Bienvenue à ce lancement virtuel de l'Atlas des paysages de la vallée du Richelieu, de la MRC de la vallée du Richelieu. Nous sommes présentement au Parc des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu, une autre beauté de notre territoire et on en est vraiment fiers. Alors, au nom du Conseil des maires de la municipalité régionale de Comté, il me fait plaisir de vous présenter notre Atlas si attendu. Pour le Conseil des maires, c'était une démarche très importante. Ça fait partie de notre planification stratégique 2020-2025. Et en tant que préfète, je le dis toujours, je suis très fière de mon territoire. C'est une des plus belles MRC, non, la plus belle MRC du territoire de la province du Québec. Alors, c'était important pour nous. On voulait montrer nos beaux paysages. C'est aussi une question de protection de ces paysages. C'est de déterminer aussi notre identité paysagère qui est très importante pour la MRC de la vallée du Richelieu. Nous avons fait un appel d'offres par invitation. On a sollicité quelques regroupements et firmes qui sont spécialisés dans les études sur le paysage. On a retenu la firme Milieu parce qu'elle nous proposait un atlas. Okay? Et un atlas, ça permet à la fois de présenter le territoire de manière technique, mais aussi de manière artistique. Et ce document-là va nous permettre aussi, pas juste de prendre des bonnes décisions en matière d'aménagement du territoire et éventuellement aussi au niveau récréotouristique, au niveau culturel, patrimonial et même au niveau du développement économique. C'est un outil qui va nous permettre d'aller au-delà des images, en fait, autant de la conservation que du respect de la nature là, qui nous entoure. Puis quand je dis nature, là, c'est pas juste la nature, c'est le patrimoine, c'est tous ces éléments-là, en fait, c'est de l'histoire. Alors, l'histoire, ça se perpétue dans le temps, puis il faut se souvenir de ces éléments-là. Permettez-moi, pendant ce lancement aussi, de remercier tous les intervenants, les citoyens qui ont travaillé de près ou de loin dans la démarche de l'étude paysagère, mais aussi de cet atlas paysagère. Alors, merci beaucoup. Nous avons publié des sondages sur nos plateformes. Particulièrement, on a ciblé des groupes d'intérêt, des sociétés d'histoire. On est allé solliciter aussi les jeunes. Donc, on a pris le temps d'établir là, un profil et de faire participer chaque groupe qui est intéressé par la question du paysage. L'activité a consisté essentiellement à donner ses impressions sur une série de photos. Des belles photos comme des moins belles photos. Donc, on est allé à la fois dans le meilleur et dans le moins intéressant pour voir un petit peu, pour jauger un petit peu le niveau d'intérêt. On a pris les résultats, on les a analysés, on a décortiqué quelles étaient les préoccupations des gens et ça a résulté d'un diagnostic. Mais au-delà du diagnostic, on est allé un petit peu plus loin en déterminant également des pistes de solutions et aussi d'identifier des secteurs sensibles sur lesquels on devrait porter notre attention pour une meilleure gestion des activités qui rentrent en relation avec la protection du paysage. Pourquoi on a fait une étude sur le paysage? C'est pas compliqué, à cause de tout ça, à cause de la beauté qui nous entoure au quotidien. C'est vraiment ça qui a motivé ce projet-là. Bien, on s'en rend pas compte de la richesse qui nous entoure, justement, et je pense que l'Atlas va nous permettre de voir les éléments qui sont derrière chez nous. Là. On a tous ça à proximité de nos résidences et puis on ne prend pas avantage suffisamment de ce qu'on a et on prend pour acquis cette nature-là. Actuellement, aux abords de la rivière Richelieu, c'est un élément principal de notre paysage, c'est une composante essentielle de notre paysage, la rivière. D'ailleurs, on a plusieurs artistes qui ont dépeint tout au fil du temps, depuis des décennies, voire des siècles,
notre paysage et comment il a éventuellement évolué. L'Atlas, c'est la pierre d'assise. Pour moi, là, c'est le début d'une autre aventure. Je pense que c'est la base. On va pouvoir l'utiliser pour la culture, on va l'utiliser au niveau de notre patrimoine, au niveau du tourisme, au niveau de l'aménagement du territoire. En fait, toutes les facettes que la MRC touche actuellement, on va pouvoir s'en servir. Installez-vous confortablement et profitez d'un avant-goût de notre atlas paysagère. Vous allez voir, nos territoires sont uniques et distincts. Alors, profitez-en bien.